My grandma, qu'est-ce que... je tiens très fort à toi. Et que c'est vraiment une personne qui compte très fort pour moi. Grande sœur, il faut que tu saches certaines choses. Que je ne peux plus te cacher au jour d'aujourd'hui. Voilà, depuis un an et demi, un gros clash est venu dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, dans notre espace vital, parce que oui, toi et moi, on est comme dans une bulle, que personne ou grand personne peut crever. Mais là, ils vont éclater la bulle. Toi et moi, on est dans deux bulles séparées. Mais c'est comme si on vivait plus parce que j'ai tellement mal sans toi. Oui, je te le dis jamais, mais là, je dois te le dire, j'ai très mal sans toi. Ne t'imagine pas que parce que tu ne me vois plus pleurer, parce que j'essaie de faire la course devant toi, tout simplement, que je tiens plus à toi, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, quand je vois que tu essayes de me faire comprendre les messages par les yeux ou par ton regard, je sais, ça me fait tellement mal de ne pas pouvoir te répondre comme ça, parce que tu sais très bien que je tiens à toi au fond de toi. Mais tu sais plus parce que je te montre plus, et ça, je m'en veux vraiment, grande sœur. C'est pas que je ne veux plus te montrer, c'est pas que j'y arrive plus non plus, c'est que j'essaye vraiment de pas te montrer quand ça va mal, mais quelque part, il me fait avoir un gros blocage. Tu sais de qui je parle. On va avoir un gros blocage depuis le niveau. Et ce gros blocage, j'aimerais qu'il me foute la paix une bonne fois pour qu'on puisse se retrouver, parce que grande sœur, c'est pas obligé de me croire. Ça me manque. Notre nous me manque. Désolé si je pleure. C'est parce que vraiment, tu me manques. C'est très dur. C'est très dur d'aller contre ce sentiment de grande sœur, de petite sœur, tout simplement. Parce que toi et moi, c'est plus fort que tout. Toi et moi, on avait qu'un cœur de sœur. Aujourd'hui, il est brisé. Et franchement, mon oxygène, elle est plus là. J'arrive plus à me battre sans toi. Parce que tout simplement, ma grande sœur, c'est toi, c'est personne d'autre. Même si j'ai essayé de faire la force devant toi, de ne plus pleurer, d'essayer vraiment d'aller dans une autre cour pour pas te montrer ce n'est mal, devant toi, te dire ouais, tout va bien, t'inquiète, pas près de tes amis, hein. T'inquiète pas pour moi, tu seras bien. Et que je savais que tu voyais bien que ça n'allait pas. Parce que toi et moi, on n'est pas dupes. On le voit très bien quand on ne va pas bien, quand on ne le voit pas bien. Mais ça, certaines personnes, ils l'ont peut-être oublié. Parce que notre amitié, elle vient dans beaucoup de monde. Mais certainement pas, parce que ça se promet que mon combat, il va recommencer, et que notre amitié, elle va revenir, parce que, tôt ou tard, on va péter un câble, parce que bien, toi et moi, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas oublier notre amitié, oui, tout va très bien sans Précia, tout va très bien sans toi, non, c'est pas ça, c'est, j'ai retrouvé ma soeur, ah, enfin, et tout, franchement, c'est une amitié, c'est pas quelque chose d'interdit qu'on veut faire, on veut savoir notre amitié, et pouvoir enfin la vivre, notre amitié, parce que dans quelques mois,
C'est qui va souffrir encore plus si on se réconcilie pas? C'est nous, c'est pas eux parce qu'ils sont plus trop, ils seront contents, on sera plus ensemble. Donc, ensemble, dans l'école, ensemble, tout simplement. Moi, je veux que tu fasses un grand choix. J'en veux pas à toi, ni à ta maman d'ailleurs. D'ailleurs, au passage, même si je suis en froid avec elle, il faut que tu saches que c'est toujours une personne que j'apprécie et pour qui je fais toujours du respect. Voilà. De deux, c'est une personne qui, oui, a dit les choses en face des gens, les choses qu'elle pense en face des gens. Et de trois, c'est pas, elle en premier qui a voulu casser notre amitié. Et ça, je peux comprendre qu'elle ait voulu se protéger de ça. Parce que franchement, avec tout ce qu'on est venu lui dire, c'est tout à fait compréhensible. Mais je veux qu'elle sache que je suis pas celle que tout le monde dit, quoi. Grande sœur, faut vraiment violent s'améliorer parce que sans ta force et ton courage, j'y arriverai plus là. Sans toi, tu vois, sans notre moitié là, sans ce cœur qui était, on avait un cœur pour deux et aujourd'hui ce cœur il est déchiré, quoi. Grande sœur, je veux que tu saches que même si je te dis pas, j'arrive plus, oui, j'ai un très gros blocage, j'arrive plus à dire ce que je ressens, mais je veux que tu saches que je tiens à toi, je tiens grâce à toi. J'ai essayé de m'abattre pendant des mois, de sortir la tête hors de l'eau, d'essayer, oui, d'essayer sans t'oublier, mais d'essayer de passer aux choses, c'est impossible, parce que toi, t'as vraiment quelque chose que mes autres amis n'ont pas. Je sais pas, c'est fusionnel, oui. C'est fusionnel depuis qu'on est toute petite. Donc, ne nous demandez pas de changer quelque chose, parce qu'on n'y arrivera pas. Alors, ma grande sœur, petit message pour toi. Il faut que tu saches vraiment, vraiment quelque chose. C'est que, bats-toi. Bats-toi pour nous. Bats-toi pour moi. Bats-toi pour toi. Mais franchement, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne lâche pas. Parce que si tu lâches, je lâche. Oui, notre cœur, il est coupé en deux. Et c'est bien ça qui me fait mal, tu vois. Parce que moi, je ne dis pas quand t'es dans la cour que ça, je vais dans une autre cour pour justement pas essayer que tu vois pas mon regard essayer, que tu vois pas que je suis en détresse depuis toi et moi, on est en froid. Mais franchement, ça me fait du mal de plus pouvoir te regarder, toi, en face, et te dire, pour qu'on tu savais comme je t'aime, pourtant c'est une phrase que tu m'as souvent dit. Ou alors, une phrase qui me fait penser à toi, c'est si ma meilleure amie y arrivait. Si j'y suis arrivée, ma meilleure amie y arrivera. Oui, c'est une phrase que tu m'as sortie. Quand j'étais debout avec Chantal, tu te rappelles? Eh ben, oui, mais pas sans toi, j'y arriverai, mais pas sans toi. Franchement, aujourd'hui, je ne crois plus en la sincérité des gens, à part de toi, de Chantal, de Valérie. Mais sinon, je ne crois plus en la sincérité des gens. Parce que, honnêtement, notre amitié, c'est si on en est là. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de certaines personnes. Grande sœur, faut que tu saches.
C'est ma petite étoile. J'ai un gros vide, un gros vide. Mon cœur, il bat plus longtemps. C'est un énorme vide. C'est pas possible, tu vois. C'est même pas, je vais me promettre avec toi, je n'ai même pas essayer d'oublier, même pas oublier d'essayer de penser à autre chose. Parce que quand je me lève le matin, faut pas trop. Quand je me lève le matin, je suis contente parce que je vois dans le cœur. Donc voilà. Mais quand je me couche ce soir, et qu'on a encore eu un petit froid, je me dis, encore eu un froid. Faut pas croire que parce que tu ne vois plus de riche, je tiens plus à toi, toi. Non, je tiens à toi. Je tiens à toi. Je pleure plus devant toi, mais tous les soirs, je me cache et tu n'es pas obligé de me croire, mais je pleure vraiment parce que ça me manque de plus pouvoir discuter de choses et d'autres, c'est de face à face, sans pouvoir se prendre dans mes bras et tout. Ça m'agace, quoi, qu'on nous ait séparés parce que franchement, grande peur. Je te l'ai plus jamais dit, mais je t'aime et tu me manques au-delà de tout. C'est mon rayon de soleil, c'est mon étoile, c'est ma vie. C'est vraiment, c'est tout. C'est une sœur, une grande sœur en or qui m'a toujours soutenu pour Thomas, Fanny, pour mon autre combat, ma Lydie, mon ange, ma force, toi. Pourquoi tout ça, qui m'a toujours soutenu. Oui, pour le moment, j'ai eu une étape très difficile par rapport à ce combat-là, parce que ça va faire 2 ans qu'elle a été opérée, mais je le vis de plus en plus mal. Ma deuxième maman, que j'adorais, que j'aimais très fort, avec qui j'avais un rêve fusionnel, me manque, tu peux pas t'imaginer à quel point. Et toi, dans tout ça, t'es resté toujours là pour moi, quand j'allais pas bien, quand j'allais bien. Alors merci grand sœur, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui auraient gardé le cap sur mes crises d'angoisse, parce que je ne voulais pas ces crises. Mais c'est juste que j'ai de très grandes angoisses depuis qu'elle est plus là, de te perdre toi aussi, parce que si je te perds toi, à part pour mes parents, mais je ne serai plus pour Sylvain. Encore mes parents, entre parenthèses, mon beau-père et ma mère. Sinon, le chef, ça va quoi. C'est salut, au revoir, mon père, si c'est bon. Et Thomas et Fanny et Joanne, c'est tout. Pourquoi je me battrais, mais pour le reste, ça. Mais je voulais vraiment te dire un tout grand merci, ma soeur, de toujours rester là pour moi, parce que c'est important pour moi. Oui, en plus, je me renferme pour le moment, parce que j'accepte de moins en moins que Lily soit partie. Ça va faire 2 ans, mais... Ça va faire 2 ans, le 7, qu'elle a été opérée, et je me dis que j'aurais dû lui dire que cette opération n'était pas pour elle. Mais bon, c'est pas moi qui décide après tout. Et puis voilà. Mais faut que je tienne le coup. Et sans toi, je sais que je peux pas tenir. Parce que c'est vraiment... Mon rayon de soleil, ma petite étoile, ma fée. Il y a tant de surnoms. On disait souvent, toi et moi, entre nous, c'est le fort, la raison et le tort. Mais ouais, et pour l'instant, je veux retrouver ma grande sœur que j'aime plus que tout le monde. Ne plus jamais la lâcher, la prendre dans mes bras, ne plus. Et lui dire grande sœur, je t'aime. Pour le moment, c'est pas possible. Mais je veux que tu saches, donne des choses. Grande sœur, je t'aime plus que tout le monde.
Thank you.